Oh, il y en a plein là-bas. Ah, l'émulateur lag un tout petit peu. J'espère que ça se verra pas sur la... Par contre, le... Le détect... le warning, là, il se déclenche pour plus ou moins n'importe quoi, quoi. On est super loin des zombies, là. Là, on pourrait croire franchement que le jeu est facile, mais vous inquiétez pas que le jeu est horrible à jouer. Hein. Quand vous rajoutez les hunters, c'est fini, ça y est, c'est bon. Le jeu, c'est un calvaire. Ça devient vite un calvaire, en fait. Petite parenthèse... je vais faire des vidéos, je vais faire deux vidéos à chaque fois comme d'habitude, comme la saison 1. Je vais en faire une de 20 minutes pour les gens qui veulent découvrir le jeu. Et après, le reste, ça sera 40 minutes. Donc on va jouer une heure au moins au jeu. À moins que ça soit vraiment de la merde. The Birth of Venus. Oh putain de sa mère. La caméra se baisse automatiquement s'il y a des ennemis à terre en fait. Au lieu de nous le laisser faire nous-mêmes. Pourquoi? J'en sais strictement rien. Parce que sinon ça serait encore plus horrible à contrôler, je pense. Comme là par exemple. Faut faire gaffe à mes munitions par contre. C'est la salle où c'est dans laquelle j'étais, non? Là y'a quoi? Y'a rien. C'est dénué de vie en fait ce jeu. C'est triste, hein. Ça aurait pu être un bon jeu, hein. Ça aurait pu être un bon jeu à la troisième personne, hein, mais ils ont complètement merdé. En voulant faire de la première personne, en fait. Après, comme j'ai dit, c'est dans la lignée des Gun Survivor, donc c'est normal, mais bon. Ça, c'est rouge. Oh la vache. On va se mettre... Oh putain, tourne-toi mec. No bullets. Faut qu'on trouve une... Putain, c'est exactement des copies, quoi. C'est horrible. Ou alors j'y étais ici, non? Faut qu'on trouve des munitions, en tout cas. Il faut qu'on trouve une zone de sauvegarde. Oh putain, je crois que j'ai tout simplement fait le tour, en fait. Je suis revenu sur mes pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si je regarde pas la carte, à chaque fois que je me déplace, c'est mort, quoi. C'est complètement mort. Ouais. Faut que je passe par là. Voilà, très bien.
Évidemment. Ah oui, caption, c'est les sous-titres en fait. Voilà, donc le cliché, le mec qui se fait tabasser par la femme. Ces trucs au ralenti, quoi, c'est débile. En plus, il y a vraiment quasiment pas d'action. Cliché du mec qui la monte direct. Et qui flirte. C'est débile. C'est vraiment débile, quoi. C'est vraiment du putain de cliché, quoi. C'est du pur cliché, ce jeu. Et c'est pour ça que c'est un très mauvais jeu. Enfin, c'est un très mauvais Resident Evil. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un electronic lock. Ok, pareil. Il faut encore une carte électronique. C'est quoi, ça? Putain, c'est stairs. Ou alors c'est une carte à récupérer. Non, ça dit juste escalier. Ok, électronique lock. Ah oui, non, je crois qu'il faut. Ça, c'est d'où on vient. Je crois. Ouais, on peut plus revenir en arrière. C'est évidemment le gros cliché. Faut noter combien de fois je dis cliché dans cet épisode. Jeu du passé. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je voulais dire autre chose. Ah, j'ai complètement oublié, désolé. Ah oui, il va falloir, je crois qu'à un moment, il faut aller dans la salle de contrôle, genre avec des ordinateurs, tout ça, pour déverrouiller les portes, si je me rappelle bien. Donc toutes ces petites portes, on va rien pouvoir faire pendant un très très long moment. Ou alors... Ben voilà. Ça m'a fait mentir. Et un F on n'a pas. Ok, deux F on a. Donc là on est quoi au 2F? Non, un F. Donc faut remonter. Ouais. Seconde floor. Floor. Voilà, on peut passer maintenant. En gros, le problème de ce jeu, c'est que ce que vous faites, en fait, c'est à chaque fois que vous prenez un couloir, vous êtes obligé de regarder la map parce que, regardez, c'est du pur miroir. C'est du pur miroir. Après, je peux comprendre qu'un paquebot... C'est comme ça, c'est normal, d'accord. Mais faites des choses assez différentes, quoi, pour les couloirs, pour les trucs, quoi. Parce que... C'est ultra chiant. Je vais essayer de le gruger, lui. Je vais sûrement me faire attraper, hein, mais... Parce que les contrôles, c'est tellement de la merde. Oh, non, ça va. Alors ça, bien sûr, on tire dessus, hein, ça explose, hein, évidemment. Sans déconner, quoi. T'as une grosse boîte comme ça qui traîne au milieu du couloir, qui est inflammable et tout ça. C'est vrai que les passagers, c'est complètement normal. Vous passez votre temps aussi à... Là, pourquoi ils mettent pas un jumpscare là? Ça aurait pu être sympa. Ah, le jumpscare, il est là en fait. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, non, c'est complètement normal d'avoir un truc explosif en plein milieu.
Bah, niquer ta mère. Le mec nous dit pas aussi quand il est en... Voilà, putain, ça nous donne... Ça nous... Oh, je viens d'utiliser les deux. Oh la vache. Alors, pourquoi je viens d'utiliser les deux? Alors, normalement, dans les jeux vidéo, dans les bons jeux vidéo, en Europe et en Amérique, quand vous faites la croix, c'est pour accepter. Quand vous faites le cercle, c'est pour revenir en arrière. Au Japon, le cercle, ça valide. Et c'est l'inverse, en fait, parce que dans leur culture, le cercle, c'est validation, la croix, c'est... c'est l'inverse, c'est revenir en arrière. Donc pour les PlayStation, je donne un cours d'histoire sur la putain de PlayStation maintenant. Donc voilà, donc nous, croix c'est valide, rond c'est revenir en arrière, et c'est l'inverse au Japon. Là dans le jeu, croix ça valide, le rond ça valide aussi. Donc voilà. Donc voilà, c'est ce qui se passe à chaque fois, et c'est ce qui vient de se passer. J'ai fait croix, et après j'ai fait rond pour essayer de revenir en arrière, mais non, ça a utilisé les deux. Les deux putains d'herbes. Dieu. Ah tiens, on a un pistolet silencieux qui traîne. Pourquoi? Tu t'en sais strictement rien. Pourquoi ça va nous servir en plus un silencieux? J'en sais strictement rien parce que bon, c'est pas comme les, pas comme si les zombies pouvaient ouvrir les portes, donc ils vont. Donc ce qu'il y a dans la salle, c'est ce qui va, enfin c'est ce qu'on a besoin de tuer quoi. On peut pas checker les couloirs, les meubles. Les penderies, rien. C'est par là ou pas que je dois aller? Ouais, c'est par là. Ah, le truc qui s'assoit, quoi. Ah, je crois qu'il est mort, là. Voilà, franchement, je fais que me plaindre, mais... Enfin, c'est legit, hein. Pourquoi je me plains? C'est grave legit. Parce que ce jeu, il est pourri. Voilà, là, on peut récupérer des balles. Voilà, donc là, je crois qu'on a... Voilà, limite 6. Pourquoi limite 6? En gros, on a le droit à 6 fois une boîte de balles de 30. Ah, j'ai fait encore cercle pour essayer de sortir. Ben non. Voilà, ça c'est bon, normal, cool. Même la musique, ils l'ont changée. Des salles de sauvegarde, c'est maintenant c'est une musique de merde. Il n'y a pas de boîte pour ranger une pour ranger l'équipement, ça sert à rien parce qu'on peut porter plein de trucs. Je vais voir si on peut pas passer par l'autre porte pour sortir, pour aller à l'extérieur. Ça m'étonnerait, mais c'est jamais. Bon, on va aller l'autre côté. Ah, on peut... je me disais aussi. Ok, parce que en fait, quand il est comme ça, ça veut dire que si je me mets en visée, je peux quand même me déplacer. Putain, par contre, c'est super chiant, la manette. En gros, c'est que... désolé. Là, ce que j'ai, en fait, c'est que j'ai le pouce droit sur le joystick droit pour faire ça. Et après, en fait, si je veux me déplacer, il faut que je maintienne croix. Et que j'utilise le joystick gauche pour me déplacer. Mais là du coup je peux plus viser parce que je peux pas... Là je suis en train d'utiliser ma main, je la mets au milieu de la manette pour utiliser l'index sur le joystick gauche et le pouce sur le joystick droit en faisant ça là. C'est horrible. C'est un carnage de contrôle de merde. Oh putain. Oh et cette caméra qui tourne. Ça me fait rire moi. Mais au final, non, on passe un bon moment. C'est que le jeu est tellement con que... Enfin, déjà, il est con par rapport à l'histoire et tout ça. Et puis les contrôles, c'est de
c'est de la merde aussi. Oh putain. Oh la vache. C'est peut-être la fatigue qui me fait rire parce que bon. Non, merde. Fais pas attention à moi, mec. Hein. Voilà. Il y a l'autre là. Tiens, on va se déplacer comme ça. Oh putain, merde. Bon, bah, t'es mort. Ah, tiens, il s'est réveillé l'autre. ID. On a la ID card. Ah, ouh. Voilà. Ils viennent d'où? J'en sais strictement rien. Ils étaient pas là tout à l'heure. Hein. Ils étaient pas là du tout. Hein. Donc, j'en sais strictement rien. C'est juste jumpscare, quoi. Genre, t'es bloqué. T'es bloqué, tu vas te faire enfumer, quoi, tu vois. Je pense qu'avoir le silencieux, en fait, ça alerte pas les autres aux alentours. Mais bon, c'est des zombies, c'est pas comme si... C'est pas comme si c'était très important d'avoir des silencieux. Des notes. Ouais, c'est pas intéressant. Ça va, mec? J'essaye de faire des combinaisons de touches. Voir si on peut pas regarder en haut ou en bas. Parce que vu que j'ai trouvé comment se déplacer en première personne. Attends, si j'essaye comme ça. Ah, ça y est, j'ai trouvé pour me déplacer. Oh putain, faut maintenir L1. Et après, on peut se déplacer comme ça. Et on peut viser en même temps. Oh la vache. Et si on fait L2, ça fait quoi du coup? Ah, L2, c'est pareil. Eh oui, parce que bon. Parce que bon, pourquoi avoir. Quoique non! Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est... Alors, oh putain, faut que j'explique. Faut que j'explique, mais... putain, c'est abusé. Ok. R1. On a une manette... On va dire que j'ai une manette de PlayStation. Donc c'est facile, tout le monde connaît les manettes de PlayStation. Vous faites R1 pour vous mettre en mode première personne. Après, pour tirer, il faut appuyer encore une fois sur R1. Pour sortir de ce mode-là, j'utilise le joystick gauche pour me déplacer. Voilà, ça sort automatiquement. Donc je me remets en vue... pour tirer. Si je maintiens L1, donc la gâchette de l'autre côté, je peux me déplacer comme ça. Voilà. Et quand je tourne, ça tourne à droite ou à gauche. Ok. Par contre, si je maintiens L2, maintenant je fais des strafes sur le côté et je peux me déplacer comme ça, mais en ne bougeant pas ma vue. Et là, je peux utiliser en fait le joystick droit pour mieux me déplacer et mieux viser. Donc c'est pas mal comme ça. Et qu'est-ce que ça fait L2? Apparemment L2 ça fait rien du tout. Voilà. C'est des contrôles. Il faut être asiatique. Il faut être asiatique pour jouer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai pas vu de zombie moi. Il vient d'où lui? Bah, il va se faire foutre. Hein. Non, mais les contrôles, ils sont à chier, c'est horrible. Il n'y a pas de musique dans le jeu. C'est vide. Je suis désolé de parler autant, hein, parce que là, je la ferme pas depuis le début, et moi, ça me dérange. Mais c'est parce que c'est vide. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Voilà, on passe son temps à regarder les salles, trouver des cartes, utiliser les cartes. Aller dans les nouvelles salles, trouver des clés, utiliser les clés. C'est bien, quoi. C'est bien, c'est bien. Kitchen. Dans la cuisine, il y a toujours des trucs drôles. Mais pas d'enjeu. Ça me rappelle un peu Metal Gear Solid 2 dans le paquebot au début, mais dans Metal Gear Solid 2 il y avait quand même beaucoup plus de choses dans le tanker là du début. C'était quand même plus animé quoi. Merde. J'ai appuyé deux fois en fait comme un con.
bouteille de champagne. Le mec, il dit rien, quoi. Putain, il y a plein de morts. Le mec, il dit que dalle, il parle jamais. Quand t'essayes d'examiner quelque chose, il dit que dalle, le mec. Il s'en fout, quoi. Il n'y a aucune description. Alors que dans les Resident Evil, la base, c'est ça, c'est que même si ça nous sert à rien, ça nous sert à rien de regarder. Il y a toujours notre... Oh putain, ce bruit, quoi. Ce bruit de zombie qui gueule en même temps, quoi. C'est horrible. Il y a toujours notre personnage qui dit... Bah tiens, il y a du champagne ici. Tiens, il y a... Quelqu'un a été tué. Tiens, enfin, qui a un cadavre. Il est mort depuis 5 minutes. Enfin, voilà. Toujours. Et là, non. Alors, on est limité à 6 emplacements pour les munitions, de ce que je viens de trouver. Donc, j'ai dû virer une boîte de munitions de pistolet. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Pour les remplacer par des munitions de fusil à pompe. Et pourtant, on voit encore qu'il y a de la place en bas. Pourquoi ça ne s'arrêterait pas là, par exemple? Non. Voilà, voilà. Donc, on peut mettre le fusil à pompe. Hein, c'est... bah bon. Merde! Voilà, quoi. On s'en fout, quoi. On s'en tape. On va faire le tour. Ah non, j'y suis déjà allé dans la freezing room. Ok, on va aller à dining room. On va remettre le flingue. Le fusil à pompe. Putain, à chaque fois, ce putain de cercle. Le fusil à pompe est bien pour les... pour les hunters, évidemment. Si vous voulez passer un mauvais moment, bah essayez de tuer les hunters avec un flingue, quoi. J'entends les bruits de zombies. Ta mère. Putain. Par contre, le truc il tire beaucoup plus lentement. Le silencieux, j'allais dire le sniper, mais c'est pas un sniper. Le silencieux tire extrêmement lentement comparé à l'autre flingue. Ça aussi, les cadences de tir dans les jeux avec les armes, ça n'a jamais été logique. Ah, c'est des zombies, j'ai cru que c'était autre chose. Je crois qu'en fait, quand ils nous ont pas vus, on peut leur faire des coups critiques ou des trucs comme ça. Non? Je crois. Là-bas, il y a Roméo et Juliette. Ah la pute. De comment? Putain. J'ai pas assez le temps pour me retourner. Allez, dépêche! Elle vient d'où, elle? Oh, la vache. Jeu de merde. Ça va, c'est drôle ou pas? C'est amusant? Oh putain. Waouh. Oh la putain de sa mère, quoi. T'es bon? Ça fait quoi, 3 chargeurs que je lui ai mis dans la tête à la pute, là? Horrible. La clé de la maintenance.
Ok, dans le... Ah oui, aussi j'avais oublié, on trouve des notes pour aller trouver des clés ou alors des objets. Donc au 1F, au premier niveau, il faut récupérer, je sais pas quoi, un truc, une manivelle je crois pour ouvrir la trappe. Ouh, interaction avec le décor. Oh, au final, peut-être que j'ai menti. Peut-être qu'il y a vraiment une interaction quand ils sont genre contre le mur. En fait, ils vont s'allonger contre le mur. Enfin, parce que normalement, dans les Resident Evil, enfin dans les anciens, quoi. Après, c'est PlayStation. Quand ils touchaient les murs, en fait, ils les traversaient, ils tombaient devant par terre. Ils étaient pas genre contre le mur. Mais là, apparemment, si. Donc, yay. Il y avait une porte au milieu, j'avais pas vu. Merde. Il y a une plante. Là aussi, il n'y a plus de plantes rouges, vertes. C'est fini. Je crois que c'est que des vertes. Rouge, bleu, pardon. Je crois que c'est que des vertes. Ok. Au final, quand même, ce genre de jeu, ça devait être interdit. Qu'est-ce que c'est? On se fait chier. Hein. Putain, mais qu'est-ce qu'on a pu jouer à des jeux de merde quand même? Donc, qu'est-ce que ça disait ce putain de merde, de mémo à la con là? Non, c'est pas ça, file. The handle, voilà. Alors ça, c'est la manivelle. Pour ouvrir la hatch 1F. Ah, we'll keep the current one in the storage of 1F, je sais. Ok, le storage là. L'endroit pour. C'est pas une grenade qu'il y a sur le. Ah non, c'est la rambarde. Storage. C'est ouf. Évidemment. Eh, ça va, Capitaine Cliché, là? Regarde-moi ça, regarde. Storehouse, je crois que c'est là où c'est qu'il faut aller. C'est tout à la fin du bateau, en fait. Voilà. Donc, on doit tout passer tout ça. Évidemment. Parce que pourquoi pas, quoi. Bon, bah, on y va. Putain, sérieux. Je vais t'appeler John Cliché, le jeu. Je m'en bats les couilles. Oh la vache, putain, on va te faire mettre quoi. Oh merde. Oh putain, je vais crever. On va sortir le fusil à pompe, tiens un peu. Juste pour s'amuser. Oh. La clé. Yeah. C'est ouvert ça ou pas du coup? L'autre côté? Ou alors il faut monter et redescendre. Non, ça va. On peut passer par là. Tu passes ton temps à regarder ta map dans ce putain de jeu quoi. Voilà, mais si, franchement si on le remplace, si on le compare, pardon. À Extermination, Extermination est un putain de chef-d'œuvre à côté. Et ce jeu a pas extrêmement bien marché, quoi. Ça, c'est juste parce que celui-là, il a marché parce qu'il s'appelle Resident Evil, quoi. Je m'en bats les couilles de ton histoire.
Putain. Voilà. Là. Moi, j'aime bien, c'est que regardez, il y a les grosses étagères qui sont complètement vides. Enfin, ouais, il y a deux cartons en bas. Et il y a une grosse manivelle qui traîne. Il y a une grosse manivelle qui traîne comme ça. Je sais pas pourquoi. Oh putain, merde. Le jeu, quoi. Jeu de merde. Ah, cinématique. Vous voyez, au final, en fait, on rigole, quoi. On rigole dans le jeu. Je pensais que ça allait être plus chiant que ça, mais voilà, enfin, au final, je me suis marré, quoi. Voilà. On s'est fait attaquer, on sait pas par quoi. Oh! J'aime bien ce que les sous-titres n'ont rien à voir avec ce qu'ils disent. Enfin, oui, ça dit en gros ce qu'ils disent, mais c'est pas les mêmes quoi. C'est pas la phrase complète à chaque fois. Et hop, va te faire foutre. Maintenant, on joue la femme. Ils sont même pas amis et on joue la femme quoi. C'est débile. Donc elle a ça. Le mec, on le laisse mourant. Pourquoi? Bah, tu t'en sais strictement rien. Tu sais pas pourquoi tu joues elle. Oh mon Dieu. Oh là là. Je peux juste me casser, je crois, non? Oui, je peux complètement me casser, en fait. Au lieu de les défoncer. Ça sert strictement à rien, ça. Enfin, on va tirer parce que c'est drôle, quoi. Il y a tellement de flashs blancs que je vois rien. Quand je reste appuyé, ça fait ça, quoi. C'est le tir automatique. Tiens, j'ai utilisé combien de munitions? 100? J'en ai récupéré 200, c'est ça? Non, j'en ai récupéré 100, donc ça sert strictement à rien ce que je viens de faire. Il y a tellement de flashs blancs. Que tu vois quasiment pas quand tu tires, quoi. C'est horrible. C'est abusé, quoi. Niquez vos mères, c'est un jeu de merde! On va juste utiliser la manivelle, puis après on va arrêter, je crois. Parce que ma patience a des limites quand même. J'aime bien me marrer, mais franchement, je préfère me marrer devant un film qui fait rire, quoi. Ou même un film qui fait peur. Parce que jouer à ça, c'est drôle 5 minutes, mais après c'est casse-couille. Quoique je m'amuse bien, en fait. Enfin, je m'amuse. Pas bien, mais je m'amuse. Oh non! Encore des zombies. Putain! Je pouvais pas bouger, j'étais encore dans la cinématique. Ah, laisse-moi deviner, c'est fermé, putain de merde. Passer par là. En fait, c'est fait exprès parce que quand tu prends une ligne droite, en fait, tu te fais niquer parce que c'est fermé. C'est fait juste exprès, quoi. C'est abusé. Oh la vache, ça lag un peu là par contre. Cette musique de merde. Cette musique de fond de merde là, putain, c'est horrible quoi. C'est quatre notes qui sont en boucle. Et encore, je suis gentil. Je sais même pas si on la rejoue après. La femme.
La mailing, je vais l'appeler mailing. Ou cliché chinoise numéro 4 quoi. Tiens, il y a des balles en bas. Bon, on va les laisser pour l'autre tocard. Oh, il est là. Donc maintenant, la question c'est, ça servait à quoi de faire ça quoi? Si le mec il est instantanément avec nous. Tu sais, il y a Zephyroth, il est mourant, donc il va se transformer en Safer Zephyroth machin avec l'aile. Putain, les sous-titres quoi. Regardez-moi les Hunters. Les Hunters sont ultra moches. Ils ont un torse maigre. Non, ils ont un gros torse, mais ils ont le ventre, là, l'abdomen, qui est très mince. C'est dégueulasse, c'est moche. Mais c'est moche. Les Hunters dans Resident Evil 1 étaient mieux, quoi. Qu'est-ce qu'il a avec son cou hein? Putain, mais c'est horrible, quoi. C'est dégueulasse, ce jeu. Bon, on va niquer les Hunters, on va s'arrêter parce que là, j'en peux plus, moi. Putain, comme il va vite ce connard. Voilà. Donc ça va, tu l'aimes le gameplay quand c'est des ennemis qui vont super vite. Oh la vache. Ça va, tu le kiffes le gameplay? Sérieux. Enjoy your stay. Not again. Allez, utilise la matéria noire, fais supernova. Il fait des éclairs! Putain, Super Saiyan, le mec! Mais ce qui est marrant, c'est que les mecs qui ont les développeurs, là, comme j'ai dit, c'est pas l'équipe, la vraie équipe de Resident Evil. Est-ce qu'ils ont déjà joué à un Resident Evil de leur vie, quoi? Depuis quand les ennemis font des éclairs comme ça, quand ils se transforment? C'est débile, c'est débile. C'est une honte. C'est juste une honte en fait ce jeu quoi. Je pensais pas que c'était aussi con quoi mais... En plus c'est passable comme j'ai dit mais c'est tellement une honte, c'est tellement un mauvais Resident Evil. Ah putain. En tout cas on va s'arrêter là. Donc c'était Resident Evil Dead Aim. J'espère que vous avez rigolé parce que franchement... franchement il n'y a que ça à faire. J'ai beaucoup parlé. Les cinématiques sont horribles, les personnages sont horribles, c'est que du gros cliché de merde. Les animations sont aussi horribles, c'est de la PlayStation 2 quand même, qui est sortie quand même en 2003. Hein. C'est le jeu quand même, ils ont pu travailler dessus. Je le conseille seulement si vous voulez vous marrer, prenez-le sur émulateur, ne l'achetez pas évidemment. Seulement si vous voulez vous marrer un bon coup avec des amis, en buvant de la tequila et en mangeant des pizzas quoi. Franchement il est bon que pour ça et vous passez la manette en fait. Pour une soirée comme ça, ouais, pour une soirée comme ça, prenez-le parce que vous allez vous rire en fait. Mais je vois que ça, je vois vraiment que ça, ce jeu est merdique. Enfin non, comme j'ai dit, le jeu est médiocre, donc il est moyen, il est très moyen, il est un peu en dessous des moyens, je dirais. Mais c'est un très très mauvais Resident Evil. Voilà, ce sera tout pour cet épisode des jeux du passé. J'espère que vous avez apprécié, en tout cas, dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude, ce que vous en pensez. Si vous connaissiez le jeu, ou alors si vous l'avez découvert. Dites-moi aussi ce que vous voulez voir dans les commentaires. Je les note, même si c'est pas le prochain jeu que vous me dites. Par exemple, le prochain jeu que je fais, c'est pas celui-là que vous me dites. Vous inquiétez pas, je note tous les jeux que vous me dites. Donc je ferai une liste. Mais on fera des Survivor, des Gun Survivor, des Resident Evil Gun Survivor, mais des mieux. Ceux sur PlayStation. Ceux sur PlayStation étaient pas mal. Comparé à ça, en tout cas.
Voilà, c'est tout. Comme d'habitude, tous les liens de la chaîne qui peuvent être intéressants sont dans la description. À la prochaine, salut, ciao.